Et bonjour, internautatrices et internautateurs. Nous retrouvons le clan du Cygne dans Geldenbourg. Morgane qui nettoie cette pièce qui était crade depuis des plombes. On essaie de continuer de réorganiser un peu cette pièce-là qui est un peu trop bordélique à mon goût. Les médicaments sont rares, on le sait. Je crains aussi qu'il me faille faire plus de bouffe. Parce qu'en fait, je suis un peu short. Je commence à me rendre compte. Je vais faire plus de patates. Tac. Et là, je vais faire plus de maïs. Bon, non, plus de riz dans l'immédiat. Parce que bon. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils ne bouffent jamais de chocolat? Pourtant, c'est autorisé. Je comprends pas trop. Que je les vois jamais en train de bouffer du chocolat. Ouais, c'est utile ça. Se déplacer à deux juste pour ça, je te raconte pas. Ah ouais, très bien, là je récupère du tissu. Bon, on va peut-être pouvoir imaginer faire de d'Onyx une prêtrise. Aussi récupérer. Tiens, tac. Hop. Tout mon ardoise, je l'ai déjà. Émissaire en attente. Hop. Allez. Copus. Fait d'Onyx une prêtrise. Bon, je crains que ça ne la fasse cesser de faire de la bouffe. Sans doute ce que je crains le plus, le énorme plan. Alors, laisse tomber. Alors, choix de licence disponible. Alors, plus de soldats. Une salve aérienne. Ouais, ça sera bien. Allez, plus de soldats, même si je m'en sers jamais. Honorable, c'est très bien. 3 d'honneur en plus. Vêtements de qualité normale ou supérieure. Cap, chapeau de dame. Hop, la salle du trône, normalement, c'est bon. Et sur la chambre, ce sera bon aussi. Ok.
Alors du coup, Onyx, non c'est bon, pour l'instant elle n'est pas limitée dans ce qu'elle peut faire. Alors juste, il faut que j'envisage, fatigué, tentélitiste, les vêtements de prêtrise. Donc c'est... j'essaie de me travailler agricole, minage. Aliment. Elle prend que du gastronomique. Elle ne prend plus que du gastronomique, si je ne me trompe pas. Et il lui faut vêtements requis, une cape, chemise solennelle, chapeau de dame. Une cape, une chemise solennelle et un chapeau de dame. Alors, une cape. Hop. En Diabletov, quand même. Un chapeau de dame et une chemise solennelle. Tac. Hop. Minimum 10. Tac. Voilà. Chemise solennelle et un chapeau de dame. Ok. Et alors par contre, il faut que... J'autorise seulement, je vais faire un... Je vais les tenues, je vais rajouter une nouvelle tenue qui va s'appeler Onyx. Voilà, avec tout. Toujours 51 de plus. Et je vais lui mettre tout ce qui est vêtements nobles, oui. Couvre-chef. Le chapeau de dame, il est où? Alors, je vais mettre tout ce qui est en Eltex, éventuellement. Eltex. Non, je vais. Pardon. Tac. Couvre-chef, ça a l'air d'être là. Vêtements nobles. Coiffure, ouais, ok. Armure, non, puisque du coup, elle ne mettra pas d'armure. Donc là, tac. Utilitaire, ça à la limite. Oui, encore. Tac. Et dans les divers... On va regarder. Et donc les trucs en Eltex. Tac, je vais lui rajouter ça, le cas échéant. Et donc Onyx, tu vas te mettre en Onyx. Étonnant, non? Ouvrier, chef. Et pas de vêtements nobles, très bien. Les soldats modifiés. Il n'y a pas les vêtements nobles aussi. Très bien. Ok. Attends, c'était peut-être un tout petit peu tôt pour que je mette Onyx en Onyx. Mettre tout pour l'instant à la limite. Et puis on verra ce que ça donnera ensuite. Alors, la chasse pour Ornexus. Ah, une autre relique. Ce qui est nettement moins bien. Mais... Allez, on va chasser Ornexus. J'en ai combien des reliques? Ben, j'en ai 3. Malice a terminé son cycle de Rengine, Smurf, formidable.
Pour l'instant, ça. C'est quand même plus rapide hein, maintenant qu'il a ses deux bras. Par contre, on plâche lui, il était quand même là. Ceci dit, ça va à peu près. Je vais me chasser le sanglier. Vague de chaleur. Ah! Ok. Son œil s'occupe. Tac. Hop. Et là, je me trompe, vous n'arrivez pas à y accéder. J'ai comme l'impression qu'il n'arrive pas à y accéder. Je vais te mettre ça. Toi, tu vas le mettre là. Crise de colère pour Papillote. Ah oui, mais d'accord. Peut-être qu'effectivement, mais normalement, il fait genre chaud chaud. Ah ouais, carrément chaud chaud. Pourquoi est-ce qu'il fait moins chaud dans les pièces? J'en sais rien. Comment ça se fait qu'il fasse... Température cible 21 degrés et il fait 50 degrés alors que là il fait 50 degrés aussi. C'est un peu chaud tout ça. Et pourquoi c'est pas la même couleur? Bon, ok. Est-ce que je me mets des climatiseurs partout? Un peu chier, j'ai pas assez de composants pour ça de toute façon. Ça va être vite vu. Ça va être vite vu. Il me faut impérativement d'autres composants en fait. Je pense pas que j'en ai de visible par là. Je crois pas avoir vu un jour des composants. Par là. Bon, ben on fera 100. J'aurais pas, non, pas de conversion possible. Donc chimique. Faudrait de l'ardoise pour pouvoir compléter mes pavements. Déjà, je pourrais récupérer de l'ardoise là. J'ai plein de calcaire, donc tac. Structure, je vais remplacer mes murs en ardoise par des murs en calcaire. Hop. Tac, tac, tac. Par des portes en calcaire.
donc leur demander de miner de l'ardoise. Hop. Alors, cap terminé. Bonne cap. Alors non, Onyx, non. Je vais pas te mettre en... Bon, tu changeras après. Heures, 2,1 jours. S'ils ont vraiment chaud, ils ont au congèle. Ah tiens, je voulais... C'est quoi, composant inachevé. Du coup, elle a quoi? Pack d'orso, ouais. J'ai pas ici en soldat. Chemise, pantalon. Utilitaire. Ah non, mais j'ai pas les utilitaires. Ce serait plutôt mes soldats de porter ce genre de trucs. Hein. Hop. Une chemise solennelle. Papillote s'échappe. Bah alors? Bah non, tu t'échappes pas, cocotte. De gilet pare-balles, une merveille. Wow, classe. Hop, la chemise et le chapeau. Donc, on va pouvoir pour Onyx l'équiper en Onyx. Ouais, parce que franchement, les packs d'orso. Ah, très bien. Hop. Tac. Smile, il manquerait pas ton petit bras, là. Qu'est-ce que j'ai, là? Une jambe bionique. Alors, qui aurait besoin d'une jambe bionique? Shio, par exemple. Non, ça c'est juste qu'elle a... Ouais. C'est juste qu'elle est trop dans le mal. Shobiti, qui a 18 sur 30 sur sa jambe. Prothèse de jambe, 25 sur 30. Ce serait plutôt Shobiti. Une jambe bionique sur sa jambe gauche. Jambe gauche. Tac.
reste. Et... excès d'alcool, bah tiens. Au point où elle est. Puis pour l'instant, elle n'a jamais servi à rien. Je vais faire en sorte de l'arrêter. Hop. Au point où elle en est, franchement. Hop. Et on va la recruter. Combien en volonté? 14 aussi. Alors, un membre de la famille royale en danger. Ouais, 3 raids. Putain, on a vu ce que ça donnait. Hein. Putain, ça fait encore du monde. Hein. Ah, les récompenses sont carrément fat. Putain. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, Toshiro et Geki qui se marient. Capsules sont arrivées. Oh la vache. Téléportation. Bah écoute. Si on me sniffait ça ensuite. Hein. Tu vas aller prendre téléportation comme t'auras fini. Bim. Classe. Pourquoi je le vois pas? Je sais pas. Ah, c'est peut-être que il faut qu'elle soit mobilisée. Oui, c'est ça. Téléporte la cible à la position désirée, proche de sa position de départ. Les cibles trop grandes ne peuvent pas être téléportées. Bon, ok. Nice. Catox. Oh bah tiens. Je tape dessus un mariage, non mais je te jure. Bon. Alors du coup Onyx, attends, va t'occuper de Chobiti. Ok, papillote je récupère. Et voilà, avec son beau chapeau de dame. Besoin. Ouais, juste un peu chaud. Crise deux fois pour Shio. Hop.
Et papillote est récupéré. Ouais, reste au frais, sous la pluie. Visiteur, un groupe du clan des Oasis. Toshiro en animation artistique. Putain, j'ai de nouveau plus de bouffe, bordel. Les Mufalo, allez, à la chasse aux Mufalo. C'est tellement chaud, bordel. Putain, Lori, c'est quand même pas un champion. Hein. À chaque fois qu'il faut taper sur quelqu'un. Forcément, Vengeance de Mufalo. Morgane. Tout seul là. Hop. J'aurais besoin de. Papillette n'a pas d'arme. Papillette devrait avoir une arme, mais lui. Comme marteau. En uranium pour papillettes. Hop, équipé. Quand t'auras fini de pioncer. Célestine, on pourrait avoir besoin de toi. Par ici. Geki, t'es pas assez costaud, ton arme. Moi, j'aurais besoin de. Hop, hop, hop. Hop. J'aurais besoin de vous, les filles. Hop. Ouah, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Il va se faire rattraper Morgane par le Mufalo sauvage. Des chèvres se joignent à vous. Des chèvres. C'est gentil, mais j'ai besoin de bidoche. Morgane. Ah, touché. Hop, tiré. Va-t'en, va-t'en. Bon, hop. Non, pas Zmoï. Ouah, Chobiti, tire. Bim. Hop. Démobilise. Top. Morgane va nous convertir. Ben Mangazor qui doit pas être très loin, si qui est quand même assez loin. Morgane, convertir. Mangazor, Mangazor. Hop. Démobiliser. La bouffe qu'on peut, hein. Trente-quatre. On va y arriver. Chios cloche plus dans sa chambre. J'ai occasionné rien. Hop. Tac, 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 hop. Humeur pour
Le chiant, casse-toi. Ah mais merde, oui, je suis con. Je me suis toujours pas occupé de ma. Hop, Chobiti. Voilà. Juju, tu sers pas à grand chose en combat. Scorpicon, Célestine, hop. Hop. Toujours les mêmes qui vont bosser. Hop. Ah, l'avantage c'est que lui est tout seul. Un visiteur formidable. Bon, c'est bon. Problème réglé. Je leur ai dit de les buter, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les ramène. Sont trop gentils. Hein. 142 de bouffe. Tiens, j'ai un Megatherium ici, le cas échéant. Bon, les problèmes de morale, globalement, sont résolus. À part Chio, qui est notre nouvelle alcoolique repentie. Après Poslovette, feu Poslovette. Paix à son âme. Bon, j'arrive à refaire quelques composants, mais ouais, non, j'en ai zéro. Mon système de défense, auquel je m'étais dit que je réfléchirais, mais auquel j'ai pas réfléchi. Alors, est-ce que j'ai un peu de granit, mais j'en ai quand même pas des masses. Et le granit, mine de rien, c'est mieux que tout le reste dès qu'il s'agit de faire des défenses. Hop, tac et tac. J'ai pas de granit, hein. J'ai du marbre, j'ai du calcaire, j'ai de l'ardoise, mais. Je n'ai pas de granit. Là, j'ai des murs en granit que je pourrais remplacer par des murs en calcaire. Tac, hop. On récupère ce que l'on peut, où l'on peut. Tac. Là, je pourrais aussi faire du calcaire au lieu de faire du bois quand même. Hop.
quand même con que ça crame un jour ou l'autre. D'ailleurs, du bois, j'en ai plus des masses. Ordre. Hop. Récolter. Hop. Caneton totalement guéri. Très bien. Maintenant, j'ai plus d'infestation. J'en ai eu 3 d'affilée. Je vous jure. Donc là, je récupère un petit peu de granit, mais c'est quand même pas ouf. Est-ce que je peux en récupérer ailleurs? Je crois pas. Globalement, je n'ai pas eu beaucoup de granit. Là, mais... ouais, c'est sur mes trucs extérieurs, quoi. Dans les trucs que j'avais en tête, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus. Là, je vais pouvoir faire un autre reliquaire. Comme j'aurai de l'or. Ma prochaine relique. Ah bah tiens, si j'autorise pas le semer ici, il va jamais semer. Quel con. My god. My god, mais quel con. Mangazor. Ah si, c'était ça que je voulais faire. C'était pavement en ardoise. Au sol, là. Et là. Et bah, pas plus loin que là. Toute la bouffe qu'on peut, ça commence à revenir là. Tac tac tac. Non, pas les rotaboum. Ça commence à aller mieux sur les herbes médicinales. J'ai tellement plus de commerçants qui passent, quoi, que ça en est un peu effarant. Bim bim bim. Alors, j'ai combien de 261 tirs chargés, formidable. J'ai vu ma production de... ça là. Forage en profondeur, puis le scanner géologique. Ça peut me permettre de récupérer des trucs intéressants. Ouais, des racines de vie. Nouveau pour me faire aider. Tac, alors. Comment est-ce qu'on pourrait faire notre killbox? Un truc genre comme ça. Tac, tac, tac. C'est un peu court même. Un colon inactif. L'idée étant de les contraindre en fait à se découvrir alors que nous on est à couvert. C'est souvent un peu ça l'idée.
Sachant qu'il faut que ce soit suffisamment long pour que mes armes puissent être efficaces sans que les leurs ne le soient. Et qu'ils puissent pas me voir. Donc ça peut vouloir dire également hop, avoir des sortes de coursives. Hop. Pour que mes gars puissent circuler. Sans que les siens puissent, sans que les adversaires puissent y aller en gros. Du coup, ce serait ça, mais peut-être en décalé un peu vers le haut, parce que du coup, la coursive serait plutôt là où je suis. Donc c'est un peu con. Bah, je vais faire des plans, je mets en pause en attendant, et je vous récupère après. Bon, je vais tenter un petit quelque chose comme ça. C'est juste que je vais petit peu manquer de granit. Donc le granit je vais plutôt l'utiliser pour l'intérieur parce que c'est ce qui prendra le plus de dégâts. Hop, je vais redémarrer doucement. Est-ce que j'en aurai assez? Tac, tac. Pas sûr, non. C'est à peu près sûr que non. Je vais pas le faire en... À la limite, si jamais un moment j'ai... Je me retrouve avec suffisamment de granit, je le rechangerai. Hop. Tac. Et puis il va falloir des portes d'accès. Il va falloir que je démolisse ça. Pas ça. Par contre, autant que j'y suis, terminer ça en calcaire et puis je vais faire une porte en calcaire. Là. Une porte en calcaire là. Une porte en calcaire là. Plutôt ici. Là, l'idée, c'est que je puisse canarder avec mes fusils à pompe. Hop, tac, tac, tac. Tac, tac. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. On va mettre des blocs sécurité. Sac de sable. En tissu. Tac, 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 tac. Il faut que là il puisse pas s'installer. Et il faut pas non plus qu'il puisse s'installer avant. Hop. Ça me semble déjà pas mal, ça. Hop. Il faudra juste que je complète. Je pense que je vais manquer de... Hop. Il va me falloir ici une porte. Vais faire hop, terminer ici. Tac, annuler. Je vais annuler tout ça là. Tac. Et faire encore une porte à ce niveau-là. On va demander de miner
Non, pas ça à la fin du minage. Ça là, je vais le faire sauter, histoire qu'ils se prennent pas les pieds dedans. Hop. Très bien. Allez. Ça, je peux tout enlever. Et on accélère. On va couper tous les arbres. Ils sont là. Tout ce qui est à l'intérieur là. J'en veux pas. Couper les plantes. Anes. Ah, ça ch... Et non, oh, putain. Le bois, tu coupes. Anes enragé. Bon, bah... On la gérera comme on pourra. Louris. Oh, joli tir. Joli tir, Louris. La signe. Allez, une petite malaria, ça vient longtemps. Comme Onyx, elle s'occupe pas de signe, c'est Brodaf qui s'en charge. Et Akatsuki, t'es là. Ok. Site agricole. Site agricole avec du pemmican, du cuir. Non. 14 personnes avec du chocolat. Mais du chocolat, j'ai tout ce que je veux. Je suis me dire de démolir ça tant que j'y suis. De toute façon. Est-ce que j'aurai assez? Non, je vais très vite tomber à court, il va me falloir plus de calcaire. T'as pourtant Dieu sait si j'en chope du calcaire. Tiens, je vais me faire un petit passage par là. Hop. Hop. Que ça risque pas de se péter la gueule par là. Dans le doute. Une petite colonne, pourquoi pas. Hop. Ordre, on va couper toutes les petites racines qui traînent là.
Non, là j'ai mis coupé. Alors attends, là je vais. Je vais faire un complément tant que c'est pas terminé. Bloc de calcaire, j'ai tout ce que je veux là, je suis con. Toute petite tête, je sais pas si c'est vraiment efficace, mais de toute façon, tant que c'est pas terminé, c'est pas efficace. Bon, moi je me suis reconstruit une pseudo fermeture. Je vais passer du maïs ici. Un chef-d'œuvre, chemise en foie bleu. Alors, ouais, la quête explique dans 23 heures, mais le problème c'est que j'aurais eu ma kitbox, je l'aurais peut-être tenté. Ça se casse la gueule ou ça se casse pas la gueule? Un plafond s'est effondré. Oui, ça se casse la gueule. Louri. Pourquoi je ne vois pas Louri? Environnement très déplaisant. Conversion sur Mangador. Mangador, où es-tu? Où te caches-tu? Tu te caches là. On se réveille. Tac. Tac. Hop, 26%. Ils me font du bloc de. Ouais, du bloc de calcaire en boucle 20. Ouais. Ça va pas être suffisant. Approche forcée de Damian. Étranger, Tacron. Ah. Alors cette quête-là, c'est une quête à laquelle il faut faire un peu gaffe. Estomac stérilisant, pas d'intoxication, ouais. Tempête d'éclair, classe. Folie furieuse. Qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant le sevrage d'alcool. Papillote, t'étais pas censé prendre le marteau là? Ouais, c'est un peu le bordel ici, donc. T'étais pas censé prendre le marteau, papillote.
Bah si, t'étais censé. Et tu l'as pas fait. Je remarque. Essayer de pas le taper trop fort. 14, 14, 40. C'est Katsuki qui peut lui faire le moins mal. Mais il taille des blocs de calcaire. T'es la liste est pas trop loin en plus. Je sens que ça va mal se terminer pour Shio. Bim. Allez, un petit bras de perdu. Bah. Onyx. Ah bah c'est bien mal, il s'en charge. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Celle-ci, à la limite, je vais la faire. Parce que... De toute façon, c'est pas très... Enfin, de toute façon, c'est un combat qui peut pas se dérouler dans ma base. Donc, kickbox ou pas, c'est pas bien grave. Donc, de toute façon, je vais la faire, mais je vais la faire. Au prochain épisode, je vais m'arrêter là. On va booster l'honneur de d'Onyx. Hop, ils arrivent où? Ah, ils arrivent à un bon endroit pour moi. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on s'arrête là. Je vous fais des bisous. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire si ma Kickbox elle est bien ou si elle est pas bien. Je vais avoir fait quelques épisodes d'ici à ce que vous voyez cet épisode, mais bon, pas grave. Allez, bye bye.